Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Shaiman Landed Revolution. Aujourd'hui, je vais un peu aller au gré de mes envies, on va dire. Première chose, j'ai envie de tester très rapidement l'agriculture que propose Industrial Craft. Vous voyez qu'ici j'ai fait un tout petit truc là, tout petit lopin de terre. Je vais créer ça. Alors il vous suffit de placer des sticks de part et d'autre de la table de craft. Comment on va dire ça? Deux de part et d'autre. Ouais, deux de part et d'autre dans la table de craft. Hop, et ça vous donne des crops. Je détaille les recettes parce que je me dis qu'on sait jamais. Des fois, il y a peut-être des gens qui ont des petits soucis de vision, qui voient un peu mal et qui écoutent surtout. Et donc, j'aime bien essayer de détailler, mais plus j'y pense à ce que je suis en train de dire, et plus c'est stupide parce que je suis pas sûr qu'ils. Que vous arriveriez à jouer à Minecraft si vous avez des problèmes de vision. Bref, donc ces choses-là, elles peuvent nous aider à faire des croisements entre les pouces. Alors, placer une fois, ça permet de... Ah, je me suis gouré. Attends que j'y pense. Ouais, donc on recommence. Donc ça, c'est des tuteurs qui aident à faire pousser la plante. Hop. 1, 2. Et au milieu, il faut en placer une autre et une deuxième pour faire un croisement. Voilà, le fait de les placer en transversal comme ça, ça prouve qu'il y a un croisement qui sera possible. Éventuellement, c'est pas obligatoire. Mais... Il y a possibilité de. On va dire. Je fais ça. Et toc. Et alors maintenant, il faut être très prudent parce que il faut plus du tout sauter dessus. On peut apparemment marcher, mais le moindre saut, ça détruit tout. Tout ça, c'est bien beau, mais dès qu'on se met à faire de l'agriculture avec Industrial Craft, on se retrouve confronté à un problème. C'est le problème de la fertilisation et des mauvaises herbes. Et on va essayer de trouver ça. Non, j'arriverai pas à trouver comme ça. On va essayer de chercher par là. Non. Je sais même pas si je vais trouver en fait. Non. Non plus. Je cherche. Non. C'est pas ça. Même pas si je vais être capable de le trouver, surtout. Ça, c'est quoi? Non. Si je pouvais retrouver son nom aussi, ça serait tellement plus simple. L'ennui, c'est que je ne m'en souviens pas. Ah! Elle est où? Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Ça non plus. Vache, c'est où cette connerie? Hello. Ça a pas l'air d'être là non plus. Mm-hmm.
Ah, faudrait que je fasse ça du coup aussi, le crop analyzer. Pour étudier les pousses que je récupère, les croisements récupérés. J'avais pas moyen de trouver ce que je veux. Bon, bah écoutez, on va essayer de revenir en arrière. La chose qui est sûre, c'est qu'il faut que je fasse ça. Oh, easy. Easy, easy. Il faut de la glace, du verre, de la redstone, des câbles et. Ok, d'accord. Il faut que j'essaie de me souvenir de ça. C'est peut-être ça. Hein. Je suis dans la mouise parce que ça, je peux pas en faire. Suis à peu près de pouvoir faire ça. Ok, bon bah, je pourrais au moins faire du. Ça là, c'est ça qu'il faut que j'utilise. Voilà. Ok, d'accord. Du Weedex. Je pense que le Weedex et le Crop Tonalizer, ça suffira, même si j'ai pas de Fair Tonalizer. Ça devrait pouvoir se faire sans. C'est parti. C'est parti, c'est parti. Bouge, 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 bouge. Oh. C'est quoi ça? C'est des mauvaises herbes? Peut-être. Faut se dépêcher. On joue contre la montre. J'ai récolté pas mal de trucs comme vous pouvez voir. C'est plein là-dedans. Mais organisé, je vous préviens. Plein de diamonds. Ce qui fait qu'on va pouvoir avancer. Dans l'arbre technologique. Je vais me servir de ça. Ça, je vais garder. Mais je crois que j'en ai encore en bas. J'ai pas un tout petit peu de sable? Si, j'ai un tout petit peu de sable. Exactement le tout petit qu'il me faudrait. Ok. Et ok, hop. En attendant. Attendant. Non, je vais rester là, ça sert à rien de descendre. Puisque ce que je veux faire, ça se passe ici. Ok. Ça, je peux remettre et ça, je peux remettre. Toc. Alors, ah oui, en fait, je voulais vous montrer ça. J'ai rajouté un macerator et un four. Et du coup, comme je vous avais dit, quand on arrive à distance du générateur, il faut relier par câble les machines. Et c'est ce que j'ai fait. Ça part d'ici et ça alimente toutes les machines. Et du coup, c'est bien. Enfin, ça alimente limite toutes les machines. On atteint vraiment le limite possible. Quand les 5 fonctionnent, enfin, les 4 fonctionnent, le générateur a du mal à tenir le coup. Et ça, j'ai fait exprès un trou histoire de pouvoir accéder au coffre par en bas. Parce que ça me paraissait assez intelligent de faire comme ça. Et je suis venu là pour ça. Parce que j'en avais en rab. Ok, donc. Ah oui, mais en rab, mais pas assez quand même. Ok. Du coup, je vais prendre 1, 2, 3. Très bien, merci. Hop, 1, 2, 3. Hop, 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 hop. Fantastique. Non. Oui. Hop, 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 hop! On arrive, on arrive, on arrive, on arrive. No problem. Et toc, crop analyzer. Yeah. Ok. Tout ça, on peut mettre ici, je pense. Besoin de se casser la tête avec ce machin. On laisse tout ça là. Et on monte là-haut. Hop. Ça c'est fait. Maintenant il faut faire du Weedex. Pour ça il me faut donc. Non, je pense que ça suffira d'ailleurs. Ça plus. Ça. Plus ça. Hey. Bien fait d'y penser à ça. Non, 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 non. Merci, pas besoin. Hop. Get down. Je vais retirer ça. Alors ça c'est de l'argent mais qui est un peu différent de l'autre donc je peux pas les assembler. Donc je voulais m'en débarrasser pour le transformer en lingot.
Comme vous voyez, j'en ai plein. Ce qui rend les choses un peu compliquées. On va terminer de mettre en poudre les yeux d'araignée. En attendant, je peux faire ça. Placer en croix l'étain. Vous obtenez des cells qui sont vides, des cellules vides. Des petits récipients, quoi. Bon. Donc en croix en plus, enfin en croix multipliée, avec un trou au centre. Comme un losange, quoi. Bref, j'essaye toujours de décrire, comme je disais tout à l'heure. Je galère un peu. Je croyais que ça donnait 16, mais en fait ça donne 8. Très bien. Déjà fini? On se fout du monde, hein. On se fout du monde. Allez. Allez. J'aurais pas assez maintenant que j'y pense de toute façon. Allez, 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 allez. Vache. Galérique, hein. Comme ça aussi, tant qu'on y est, soyons fous. Moins qu'on arrive au bout, mais j'ai pas l'impression. Oh oh, j'en ai trop mis. Tant pis. Ok, maintenant j'ai ça. Et je peux faire ça, plus ça, plus ça. Me donne. Yeah, du Widex. Pour éloigner les mauvaises herbes. Et j'en ai trop. J'en ai trop. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, je vais tout prendre. Je vais m'en créer un deuxième, comme ça j'en aurai un rab. Et le reste, je vais le déposer dans le coffre à côté de mes plantes. Parce que j'ai tout prévu. So, laissez-moi bouger de là, merci. So. J'ai le Widex. Je crois qu'il suffit de faire un clic droit sur les plantes pour empêcher qu'elles soient contaminées. Je me rends pas compte du tout de si ça fait quelque chose ou pas. Ah bah si, parce qu'apparemment je peux plus m'en servir là. Ok, très bien, bon bah je vais laisser tout ça. Ça c'est les composants pour le Widex, on va le laisser dans le bon sens, histoire que j'ai pas besoin de m'emmêler les pinceaux. Ça je garde avec moi et ça je dépose ici. A bientôt, Widex. Et ça, je m'en sers comment? Clic droit. Il me faut de quoi alimenter. On verra plus tard avec quoi il faut alimenter. Probablement du charbon ou je sais pas quoi. Ou une pile, peut-être même. Aïe, aïe, aïe. Peut-être même une pile. En tout cas, on n'a pas besoin de le prendre avec nous. On laisse tout ça là. Donc ça, c'est fait. Bonne chose de faite qu'il faudra de toutes les manières attendre. Je vais donc ranger tout ce boxon que j'ai mis. Hop. Ça, je vais pas tout de suite redescendre. Ce que je voulais faire maintenant, c'est drill. Voilà. Oh, wow, ok, hello. Je savais pas qu'il y en avait un troisième. Le drill, la perceuse, c'est tout simplement une pioche qui a une durée de vie limitée, mais qui doit juste être rechargée avec une source d'électricité, en fait. Je savais pas qu'il y en avait encore une... Ok. Bon, on va pas l'utiliser tout de suite, parce que de toute façon... Quoi que je pourrais, hein, franchement, avec tout ce que j'ai ramassé en bas... On va voir. On va essayer de faire ce qu'on peut. Donc dans un premier temps, il me faut celle-là. Ce qui implique donc une pile. Là, il y a plein de trucs qu'on peut choisir. Je vais choisir un circuit électronique. Et... Ah merde. What? C'est quoi ça? Il faut de l'acier? Comment on fait l'acier? What? Comment on récolte de l'acier? Oh la vache! What? C'est quoi ce délire? Depuis quand faut de l'acier? Le faire alors, je peux pas le faire. God damn it,
pourtant l'acier c'est pas une composante de industrial craft si je ne m'abuse. Coke machin. Il y a celle-là mais je suis pas sûr que ce soit celle-là. Je crois que c'est plutôt celle-là à mon avis. Oups. À mon avis, c'est plutôt ça. Blast Furnace Brick. Waouh, bah je suis pas rendu avec ça. Ouais, bah c'est pas gagné. Bon bah c'est pas aujourd'hui qu'on va faire une perceuse alors. Je pensais qu'on pourrait, mais non, on pourra pas. C'est fou cette histoire. C'est complètement dingue. Du coup, bah... Ok, bah je suis un peu paumé dans mon épisode du coup. Je sais plus trop quoi faire, je vais devoir... Je vais me créer une pioche en diamant du coup. Parce que je peux pas avoir mieux. C'est ce que je vais faire et puis c'est tout. Très bien, pioche en diamant ce sera. Je vais le faire... Non, je le ferai de mon côté, parce qu'en gros, la pioche en diamant, c'est pour aller chercher de l'obsidienne, pour faire un portail, pour faire une table d'enchantement, donc... tout ça, ça va être chiant, il va falloir que je récupère je sais pas combien d'obsidienne, donc... oubliez ça pour l'instant, je vais remettre ça à sa place. Et ça aussi, ce que je peux faire en revanche... pour terminer l'épisode... J'ai quand même un peu de temps encore, c'est pas l'heure, là. C'est mettre un peu de... Je suis désolé, je fais ça encore une fois. Comme un crétin que je suis. Je vais faire un peu de sable. Parce que je vais fabriquer... Attends, en français, je sais pas ce que c'est non plus, donc des pipes. Des pipes de buildcraft pour faire passer les objets de là à là. Ah, et du coup, il va me falloir aussi des redstone engines. Pas grave, ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Déjà? Waouh. Non, hein, ça suffit. Ça suffit. Il va donc me falloir, je disais donc, des redstone engines. Donc je vais avoir besoin de ça. Je vais avoir besoin de ça parce que je vais devoir faire des pistons. Donc je vais avoir besoin de ça aussi. Voyons, déjà faisons ça. Je pourrais pas faire marcher les deux, non, je pense pas. Est-ce que les deux pourront être mis l'une à côté de l'autre? Ça, c'est pas sûr non plus. Hé hé, il y a peut-être un blème dans ma technique. Il y a des chances. On verra. Ok. Ok, j'ai mes pistons. Maintenant... Il me faut également... J'ai plus beaucoup de charbon, c'est une catastrophe. Il me faut également... Plus que ça, il faut ça encore... Et j'ai oublié de décrire ce que je fais d'ailleurs. Bah, un piston, c'est bon. Un piston, vous savez ce que c'est. Problème, a priori. Maintenant, pareil, vous faites un plus avec des sticks. Laissant trou au milieu et vous obtenez des wood gear, des rouages en bois, et je crois qu'il m'en manque un, donc je vais en faire plus. Voilà, hop, c'est bon, merci bien, j'en ai 4, c'est parfait, j'ai mes deux machins. Ok, il me faut
Je crois que c'est de la glace qu'il me faut. Du verre. Chaque fois, j'appelle ça de la glace. Du verre. Du verre. Merci bien. Le verre. J'ai oublié que j'avais tout ça là-dedans. Je vais l'enlever. C'est du de l'argent. J'ai plein d'argent, du coup. Ok, tu peux aller là, s'il te plaît. Merci. Merci. Encore un petit effort. Peut-être. Peut-être. On verra un jour. Voilà. Il y a de la patate là-dedans. Peut-on s'en servir. Allez, va au bout, s'il te plaît. Va au bout. Merci. Et merci. Et merci. Et merci. Voilà. Alors, maintenant, je devrais avoir ce qu'il faut pour faire mes redstone engines. Alors, vous posez tout simplement les rouages en bas à gauche et en bas à droite de la table. Vous mettez votre piston entre les deux. Vous mettez au centre de la table du verre. Et au-dessus, vous mettez... Je me suis planté. Enfin, je me suis pas planté, mais j'ai pas assez d'éléments. Donc on la refait. Il me faut plus de planches de bois. Voilà, cette fois, ça le fera. Donc on recommence la manœuvre. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et au-dessus, donc, de... Du verre, vous placez trois planches de bois et vous obtenez une redstone engine. Et moi, comme j'en veux deux, j'en ai fait deux. Et c'est la même chose. Comment je vais les alimenter, les cocottes? Comment je vais les alimenter, les cocottes? Si je les place ici. Ça va un peu tacher le décor, c'est dommage. On n'a pas le choix, on est dans Industrial Craft, forcément que ça va tâcher. Je vais prendre des bons vieux, ouais, des bons vieux leviers. Ça sera parfait. Merci, merci, j'en prends deux. Ça sera tout. Voilà. Raté. Mais on sait. Je suis planté. Ok. Ça, c'est mon côté maniaque. Hop. Et oui, du coup, la torche doit se barrer. Ow. Ça, c'est problématique. Bref, on s'en fout. Je vais placer mes deux levier ici, hop, les activer et placer mes deux redstone engines ici et ici. Génial. Top. Donc ça va pas. Les redstone engines ou les engines tout court, ça permet de fournir de l'énergie pour faire marcher certaines machines et en particulier souvent des machines de Buildcraft. On va voir si c'est comme ça que ça marche. Il faut que je m'équipe du... Voilà, il faut que je m'équipe de bronze. Le bronze, c'est dans un carré de 2 par 2, 3 cuivres et 1 étain, et ça nous donne 4 bronzes. Et je pense qu'il m'en faut plus que ça, donc on va en refaire d'autres. C'est dans ce sens-là, c'est ça? Oui, c'est 3 bronzes, donc. 3 cuivres et 1 étain. Voilà, et avec vos bronzes, vous faites l'éternel trident. Enfin, pas trident, l'éternelle fourche. La recette du bateau de Minecraft, avec en dessous, au milieu, une autre pièce de bronze, et vous obtenez
Un wrench, c'est une clé. Une clé. Avec cette clé, on peut tourner les éléments. Non, parce que celle-là, c'est celle d'Industrial Craft. Bien évité. Parfait, donc. Celle de Buildcraft, parce qu'en gros, il y en a une par... En gros, il y en a une par mode. C'est un peu frustrant, d'ailleurs. Vous prenez une Wood Gear, et vous devez la faire évoluer en Stone Gear. Pour ça, il suffit juste de remettre l'engrenage de bois au centre et de refaire une croix, refaire un plus ou un losange en cobblestone. Donc du coup, on obtient une Stone Gear, et je crois qu'il faut l'upgrader, même pas sûr. On va voir. Du coup, vous refaites votre fourche, mais cette fois-ci, vous la faites avec du fer. Et au milieu, perdu. Comme ça, peut-être. Oui, c'est ça. C'est pas une fourche, en fait. Vous placez le fer en haut à gauche et en haut à droite. Et vous en placez un troisième en bas au milieu. Et au centre, vous placez la Stone Gear. Et vous obtenez la clé de Buildcraft. Cette fois-ci, en faisant clic droit. Goddammit, c'est toujours pas la bonne. Si, c'est la bonne. Ils veulent pas tourner encore, ces couillons. Ils veulent pas tourner dans ma direction? What? On se moque du monde, là, n'est-ce pas? Dites-moi qu'on se moque du monde. What? What? Qu'est-ce qui se passe? Je suis pas fou quand même. C'est bien comme ça que ça marche, ce truc. Je suis en train de devenir dingue. De devenir dingue, c'est pourtant bien comme ça que ça fonctionne. Ça a marché une fois, pourquoi ça ne marcherait pas d'ailleurs? Vous voyez que ça a marché là. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Là, elles vont exploser toutes les deux si elles se font face comme ça, n'importe comment. Bon, on va faire autre chose en attendant. On va faire la suite. J'ai besoin maintenant de faire des pipes. Et j'ai besoin d'une pipe particulière. J'ai besoin d'une pipe qui me permet d'extraire d'un inventaire. Et pour ça, j'ai besoin de celle en bois. Et celle en bois, elle se fabrique comme ceci. Vous placez une planche en bois au milieu à gauche et au milieu à droite. Et au centre, vous placez un morceau de verre et vous obtenez 8 wooden transport pipe. Il n'y avait pas de transport en bois. Je vais en faire que un seul. Je fais une connerie en plus. Ok, on va arrêter de faire des bêtises, Shimon. Il serait temps d'arrêter les bêtises. S'il te plaît. On la refait donc. Ça, je remplacerai tout seul de mon côté comme un grand. Je disais donc que j'ai besoin de mes deux leviers au fond là-bas. Que j'ai besoin de mes deux engines. Oups. Voilà. Et que du coup, peut-être que cette fois-ci, ils voudront bien se mettre dans le bon sens. Yes! Voilà, c'est comme ça que ça marche. Comme ils ne reconnaissaient pas d'éléments vers lequel se tourner, ils ne comprenaient pas. Maintenant, ça devrait marcher. Maintenant, pour que ça fonctionne correctement, et je vois pas comment ça pourrait fonctionner correctement. Essayons pour voir, mais je pense que ça marchera pas, parce que je pense que c'est par le côté qu'il faut...
faut l'alimenter. Et voilà, c'est ce qui me semblait. Donc non, ça ne fonctionne pas ma technique. Tous les éléments de ces modes ici ont une direction par laquelle on peut faire sortir ou entrer les éléments. Par au-dessus, comme vous pouvez le voir ici, c'est pour faire sortir ou entrer un élément en haut. Par en bas, ça fera sortir ou entrer un élément en bas. Et si je fais rentrer la pipe par le côté, c'est pour faire rentrer ou sortir un élément qui a terminé d'être procédé. Un truc comme ça. Donc, ça ne marche pas. Mais comme on est déjà à 30 minutes de vidéo, je vais couper là. Et je vais faire tranquillement mon petit bordel de mon côté. Et je vous retrouve pour un prochain épisode. Et je vous montrerai ce que ça donne terminé. Parce que là, on a mis trop de temps là-dessus. Je vous dis ciao.